Donc, à partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que le diaporama va défiler comme si vous le faisiez défiler habituellement. Donc, quand je clique, on passe à la diapositive suivante. De plus, ma voix est en train d'être enregistrée. Et dès que je passe d'une diapositive à l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va minuter le temps qu'il me faut pour parler, pour exprimer mon propos, et ainsi mettre un son sur chacune des diapositives, mais aussi une durée, grâce aux deux petites cases à cocher que nous avons laissées cocher. Une fois arrivé à la fin de la présentation, il va donc tout enregistrer.